Il faut découvrir la cause de vos frustrations. Arrêtez de dire « c'est parce que » ou d'utiliser des excuses à outrance pour avoir un mental imbattable. Ce point est très important pour avoir un mental imbattable, pour être imbattable. C'est de découvrir et d'examiner honnêtement, en profondeur, ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelles sont ces limitations? Qui vous a injecté ces limitations? Comment vous pourriez vous décrire aujourd'hui? Qui êtes-vous? Et ça, ce n'est pas un détail parce que chaque jour, en fait, vous allez ainsi croire ou pas en vous. Mais surtout, croire ou pas en vous, si on détaillait grand public, ça c'est grand public, mais si on détaille ensemble, chaque jour tu crois quelque chose, tu es quelqu'un et tu te conformes en fonction de ce que tu penses de toi. Si tu penses que tu es quelqu'un de timide, tu vas te comporter dans la journée comme une personne timide. Faites en sorte d'aller en profondeur sur qui vous êtes parce que vous allez vous comporter tous les jours sur l'étiquette que vous êtes mise. Pour résumer, pour celles et ceux qui ne connaissent rien à la croissance personnelle ou leadership, retiens juste ceci. Tu te lèves le matin, que tu le saches ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, tu t'es mis une étiquette sur le front. Et ton cerveau va se comporter pour être conforme, en adéquation, au diapason avec cette étiquette. Le cerveau a horreur des discordances.